bon. Voilà donc Sébastien, tes premières impressions pour Vélo Racing News? Oui, bah, je suis très content qu'on gagne cette course. Après, comme on avait dit nous au briefing aujourd'hui, on n'avait pas forcément de leader désigné. Après, c'était que ce soit un de l'équipe qui gagne. Après, voilà, on a bien couru collectivement et c'est comme ça. Après, les résultats le montrent aussi. Hein, parce que, bon, d'accord, il y a la victoire, il y a aussi la place de deux, mais après, on est quand même beaucoup à être placé. Donc après, voilà, ça court bien. L'équipe prend des automatismes et j'espère que, voilà, après, ça va bien se passer même sur les prochaines grandes épreuves. Et voilà. Donc vous avez une très très belle équipe aujourd'hui, Proimo, Nicolas Roux, donc les gros objectifs pour cette année qui arrivent. Oui, bah c'est vrai qu'après dans l'équipe on a on va dire un petit peu trois anciens, trois capitaines de route. Après il y a des jeunes. Je pense que voilà, c'est le bon compromis de faire comme ça, d'avoir des hommes plus expérimentés pour guider les jeunes. Et après on a une belle petite équipe et je pense que voilà, même au niveau national, on a rien à envier à des belles DN1. Et voilà, je pense que voilà, l'équipe va gravir les échelons, ce que j'espère. Et voilà, moi c'était aussi mon but, c'est pour ça que je suis venu dans cette équipe. Après c'est de pouvoir faire revivre le cyclisme auvergnat et j'espère que voilà, on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ben, je te remercie, hein, et félicitations. Allez.